Alors bonjour, bienvenue les enfants, bienvenue à la Vanille Nature Park. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir tout ce qu'on a dans ce parc. Alors il y a beaucoup d'animaux, surtout. On a les tortues, on a plein de tortues, on a plein de crocodiles, on a des iguanes, on a des singes, on a des poneys, des lapins, des canards, des poules, plein de choses. Salut, aujourd'hui on se trouve au sud de l'île à la Vanille Nature Park, un endroit magique que nous allons découvrir. Et cela avec nous, nous avons aujourd'hui Shani, Krisha, Farah, Grace et Spencer. Et pour nous guider dans ce parc, nous avons Bati. Alors maintenant les enfants, on va faire découvrir l'univers de la Vanille Nature Park. On va commencer avec une grosse surprise, vous allez être étonnés. Sheila ? Oh, bonjour. Oh. Et là, tout de suite, je vais vous montrer comment on va nourrir les crocodiles. Ça, c'est magnifique, vous allez voir. Et si vous voulez nager, c'est maintenant. Hein. La vanille a été créée en 1985 avec des crocodiles du Nil. On les a emmenés de Madagascar une centaine. Maintenant, on a à peu près 2000 dans le parc. Mais on ne voit pas tous les 2000 parce qu'on a passé des places pour le mettre. On voit à peu près en visitant 300-400 crocodiles. Les crocodiles sont nourris 2 à 3 fois par semaine avec du poulet et de la viande. Et ils mangent environ 5 kg par crocodile par semaine. C'est très peu ça. Hein? La digestion est très lente parce que ici, nos crocodiles n'ont pas d'activité, ils ne bougent pas. Et il leur faut une bonne température pour bien digérer. Et c'est-à-dire qu'en été, ils vont manger un peu plus qu'en hiver. Parce qu'en été, ils digèrent mieux. Alors, la femelle crocodile commence à pondre à l'âge de 12 ans et elles vont pondre 25 à 45 œufs par couvée. Et c'est toujours en hauteur, dans les bassins, dans des trous qu'elles font le sable. Alors, dans l'époque, si on enlève les œufs, on met en couveuse, on les fait éclore. En variant la température, on peut choisir les crocodiles mâles aussi bien que femelles. Alors, 26 à 30 degrés plus de femelles, 30 à 33 pour plus de mâles. Alors, on va dire, on a 95% de réussite. Alors, ici, on produit plus de mâles parce que l'élevage des crocodiles est le seul moyen de préserver l'espèce. Parce que dans la nature, les gens les tuent savamment. Ils les tuent pour leur peau. Alors ici, c'est une ferme. Alors on ne peut pas tous garder parce que, en fin de compte, ils vont essayer de nous manger après. Alors quelques-uns passent à l'abattoir pour faire des sacs, des ceintures, des porte-monnaie. Et ensuite, c'est pour manger. Et le crocodile, c'est très très beau, c'est une chair blanche. Le goût, c'est entre le poisson et le poulet. Alors maintenant, je vais vous emmener voir les grosses tortues géantes. Alors ici, nous sommes dans la savane des tortues.
Alors ici, nous avons une tortue Aldabra, originaire des Seychelles. Elle fut importée en 1880, suite à la recommandation de M. Charles Darwin, parce qu'à ce moment-là, les tortues qui existaient sur l'île Maurice commençaient à disparaître trop rapidement. Alors, pour que les tortues Aldabra ne disparaissent pas, il a fait délocaliser. Alors, c'était très grand monsieur, parce que les tortues contribuent massivement à l'écosystème. C'est-à-dire, ils sont très bons pour les plantes de la forêt. Alors, en mangeant les graines, il fait la dispersion. Et en mangeant l'herbe sèche et les feuilles, il contribue à ne pas avoir des feux dans la forêt. Alors ici, toutes nos tortues sont numérotées et portent des puces électroniques afin qu'on puisse suivre leur reproduction. Alors le plus gros, c'est le numéro 61. Il s'appelle Domino. Il est âgé d'à peu près 105 ans et il pèse 275 kg. C'est le plus grand élevage qui existe en captivité au monde. Alors ici, on a à peu près 1 000 000 de tortues. Alors le directeur, M. Griffiths, a fait cet élevage dans le but de repeupler Rodrigue. Alors maintenant, on a à peu près 1 500 sur Rodrigue. C'est un projet de conservation. Et bientôt, on va mettre sur Madagascar plus de 200 à 300 000 tortues parce que là-bas, la forêt est en train de disparaître trop rapidement. Alors il faut toujours avoir une protection maximale avec les tortues parce qu'ils nous aident beaucoup pour qu'on respire mieux. Ils aiment bien les caresses. Allez-y si vous voulez. Si vous voulez le faire. Alors dans cette savane, on a à peu près une centaine d'adultes. Ils deviennent adultes à partir de 20 ans. Hein. Ensuite, on a à peu près 700 à 800 bébés qui est reparti en plusieurs âges. De 0 à 1 an. Ensuite, on a 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et les tortues commencent à pondre à l'âge de 20 ans. Et elles vont pondre 8 à 25 œufs par couvée et dans un trou. Et ici, on fait des plages artificielles parce qu'il y a la terre partout. Et ensuite, on ramasse les œufs, on les met en couveuse. Et là aussi, en variant la température, on peut choisir des tortues mâles aussi bien que femelles. Et les tortues, c'est très familial. Vous allez voir, quand vous entrez à la savane, ils vont essayer de venir avec vous à chaque fois. On va rentrer dans la nurserie avec les tortues de 5 à 7 ans pour les nourrir. Vous allez voir, ça va être magique. Son saut? Oui. Alors, vous savez pourquoi on a mis des chaussures, des nouvelles chaussures? Parce qu'il ne faut pas transporter les bactéries qui sont dehors pour emmener avec les petits. Parce que là, ce sont des bébés. OK? Quand vous entrez dedans, il va falloir, dès que vous entrez, vous commencez à nourrir. Alors ça, c'est l'iguane, il s'appelle Octar, il a 9 ans. Alors taille maximale, il fait jusqu'à 1,50 m de long. C'est un animal qu'on peut apprivoiser, comme des petits chiens, des petits chats. Mais en Amérique centrale, ils les mangent, ils appellent ça poulet des forêts. Alors, ce sont des carpes colorées du Japon, qu'on appelle aussi des carpes koi. Et c'est considéré comme un poisson pour le bonheur qui coûte très cher, parce qu'ils ont une valeur spirituelle pour les Japonais. Le prix va dépendre de la couleur. Le plus cher, c'est le tout blanc avec un point rouge sur la tête, comme le drapeau japonais.
Alors, nous sommes devant les singes, c'est les macaques, la seule espèce qu'il y a dans l'île. Hein? Ils ont été introduits par les Hollandais ou les Portugais il y a à peu près 400 ans pour venir de l'Indonésie. Alors maintenant, on a à peu près 50 ou 60 000 dans nos forêts. Et ils sont très nuisibles à l'agriculture parce qu'ils mangent tout. Alors, il ne faut pas avoir un singe à la maison parce que les singes ils deviennent très méchants, agressifs. Et voilà les enfants, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors donc, une visite s'impose ici, à la Vanille Nature Park. Donc on remercie notre guide, Monsieur Butty. Merci. Qui nous a fait découvrir ce monde magique. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.